Non, je rentre pas mon ventre. Non. Ouais, je respire. Je respire bien. Est-ce que c'est bien ou pas de rentrer le ventre? En fait, si on le fait à la Al do Macchione pour rentrer le ventre sur la plage, c'est pas très bon. Si on le fait à la Moonwalk de Michael Jackson, c'est bon. Allez, je vous explique tout. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va rigoler un peu dans la vidéo, mais vous allez voir, vous allez apprendre aussi plein de choses sur le tonus du périnée, de l'abdomen, la respiration, le fonctionnement du périnée, du diaphragme, etc. Et en même temps, vous allez savoir si c'est utile ou pas, si c'est bien ou pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de rentrer le ventre. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que je vous ai fait en plus ou plutôt en complément au programme Cercle que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas le programme Cercle, c'est un programme qui se déroule en 8 semaines. C'est un programme pour apprendre à rééquilibrer l'alimentation et à perdre du poids de façon durable sans faire le yo-yo. On a mis en place 4 principes qui permettent d'y arriver. Premier principe, c'est des informations théoriques et des connaissances pour savoir comment ça fonctionne l'alimentation, comment ça fonctionne la nutrition. Deuxième principe, c'est un coach qui vous suit au quotidien. Il va vous rappeler ce que vous avez à faire, il va vous donner des conseils, il va répondre à vos questions. Troisième principe, c'est des exercices et des techniques simples, très concrètes, des choses pratiques à faire tous les jours. Et le quatrième principe, c'est le fait que vous appartenez à un cercle. Vous faites partie d'un groupe qui fait le programme en même temps. Toutes les personnes du groupe sont au même stade et c'est de façon totalement anonyme, mais motivée et avec un seul objectif, perdre du poids durablement sans l'effet yo-yo et changer définitivement l'alimentation. Et en plus, vous ne payez que les kilos que vous perdez. En d'autres termes, si vous faites le programme cercle et que vous ne perdez pas de poids, vous n'avez rien à payer. Revenons au sujet du jour, rentrer le ventre. En fait, vous avez été nombreux à me dire, mais j'ai lu sur Internet que le fait de rentrer le ventre, ça peut donner des problèmes de respiration plus tard, ça peut donner des problèmes sexuels, en particulier des problèmes d'érection. Est-ce que c'est vrai? En fait, c'est vrai si on rentre le ventre en haut, c'est ce que j'ai appelé à la Al do Macchione. Dites pas que vous n'avez pas la référence, bro, okay. C'est un peu vieux comme film. Les anciens s'en souviendront. En gros, c'est comme quand on est à la plage et on rentre le ventre pour pas qu'on voit notre bidoche. Bah ça, effectivement, ça peut poser problème. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Mais si on contracte le bas du ventre, pourquoi j'ai dit au début, c'est comme le moonwalk de Michael Jackson. Essayez là maintenant ou tout à l'heure. Ah, j'ai dit moonwalk, c'est pas le moonwalk de Michael Jackson. C'est un autre pas. Désolé, Michael, excuse-moi. En fait, vous vous mettez debout et vous vous penchez en avant. Et en se penchant en avant, vous allez sentir que ça tire dans le bas du ventre. Donc, si on contracte le bas du ventre ou le haut du ventre, c'est pas du tout les mêmes conséquences. Avant de vous dire les conséquences positives, négatives, bas du ventre c'est positif, haut du ventre c'est négatif, je vais d'abord vous expliquer le pourquoi. Pour ça, on va dessiner l'anatomie du tronc, mais rassurez-vous, c'est de l'anatomie très simplifiée. En fait, il y a des choses dans notre tronc qui sont solides et d'autres qui sont moins solides, et c'est ça qui fait toute la différence. Je sais que vous vous êtes déjà moqué de moi sur d'autres vidéos où je faisais des dessins, mais c'est pas grave, je recommence. Qu'est-ce qu'il y a d'abord à l'arrière de notre tronc? Il y a la colonne vertébrale. Ça, c'est la colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'on a en haut? On a les clavicules, on a le haut du sternum, on a les omoplates derrière, on a les gros muscles du trapèze. C'est du solide, ça bouge un peu, mais ça bouge pas non plus des centimètres et des centimètres. C'est des choses solides. Donc, en haut, on a du solide. Qu'est-ce qu'on a devant? Devant, on a en haut la cage thoracique, c'est-à-dire les côtes avec le sternum. Il y a un peu d'espace musculaire entre les deux, mais ça reste quand même plus solide que les muscles en bas. Donc, on va les considérer comme une partie plutôt solide quand même. Donc, jusqu'à maintenant, on a le dos, le haut, les clavicules et la partie des côtes qui est solide. Qu'est-ce qu'on a en deuxième partie de notre tronc en bas? On a les muscles des abdominaux, que ce soit les obliques sur le côté ou les abdominaux du milieu. Ça, c'est pas très solide. Alors, même si vous êtes hyper sportif, hyper calé en gainage, etc., c'est quand même moins solide que des vertèbres. Donc, ici, on va dire que c'est les muscles, c'est moins solide, mais c'est présent. Et qu'est-ce qu'on a en bas? On a le périnée, c'est probablement le moins solide. Donc, vous voyez ici les vertèbres, ici les clavicules, l'omoplate qui tient tout en haut, ici les côtes et le sternum, ici on a les muscles de l'abdomen et ici on a le périnée. Déjà on se rend compte que la partie la plus fragile qui bouge, c'est les muscles du périnée et les muscles de l'abdomen. Dernier détail, au milieu de notre tronc, on a le muscle du diaphragme. C'est le muscle qui est juste en dessous du poumon, qui quand il monte, expulse l'air dans notre corps et quand il descend, fait rentrer l'air dans notre corps.
Voyons d'abord le fait de rentrer le ventre en haut. C'est-à-dire, si on rentre le ventre à ce niveau-là, c'est-à-dire juste au niveau de l'estomac, et on rentre le ventre, le truc qu'on fait parfois quand on veut faire une photo, on va rentrer notre ventre, on a envie de plaire, on est un peu serré dans la chemise, etc. Bon, on rentre notre ventre par réflexe à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va créer une pression en haut du ventre. Cette pression en haut du ventre, elle va se répercuter sur le diaphragme, donc elle va gêner la respiration, essayer de rentrer votre estomac vers l'intérieur, c'est plus difficile de faire des bonnes inspirations. Et à la longue, ça peut déséquilibrer si on le fait de façon répétée, continue. Il y a des coachs sportifs, par exemple, qui vous disent « rentrez le ventre, rentrez le ventre », ça va renforcer les abdos. Oui, mais attention, si on rentre cette partie-là haute du ventre, ça va créer un déséquilibre du diaphragme et donc avoir une respiration qui n'est pas efficace à la longue et donc, avec l'âge, avoir des mouvements respiratoires qui ne sont pas suffisants. Et il y a une autre conséquence, ça augmente la pression dans le ventre et ça va pousser vers le bas. Et en poussant vers le périnée, puisque la pression augmente dans le ventre, ça va déséquilibrer les muscles du périnée, ce qui peut déséquilibrer le fait que ces muscles se contractent pour donner une bonne érection quand on est en état d'afflux sanguin qui donne l'érection. Juste pour vous le rappeler, donc quand on contracte le ventre dans la partie qui est située ici, ça pousse vers le périnée. Or, pour rappel, le périnée, c'est les muscles en rouge qui viennent entourer la base du pénis. Donc quand on contracte le ventre, mais dans la partie haute, au niveau de l'estomac, c'est quelque chose qui va finir par provoquer soit un déséquilibre de la respiration, soit un déséquilibre du périnée, donc des problèmes sur plan sexuel ou aussi sur plan urinaire. Maintenant, si on contracte la partie basse, au niveau du bas du ventre, essayez de contracter la partie basse. Imaginez que vous devez contracter, mais que ce qu'il y a à partir du nombril et en dessous. Là, vous allez voir que vous ne contractez pas que le ventre. On contracte aussi un peu le périnée, c'est-à-dire la zone qui entoure un peu le pénis et les testicules. On sent qu'on contracte un tout petit peu, comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Et là, tout d'un coup, on n'a pas seulement le ventre qui est contracté, qui est gainé, qui est tendu vers l'intérieur, mais on a en plus le périnée qui est contracté. Et donc, on va éviter toutes les complications qui impactent sur le périnée. Et comme on est loin du diaphragme, il n'est pas très gêné pour respirer et la respiration peut continuer. Rentrer le ventre, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? En fait, tout dépend de la façon dont on le fait. Vous rentrez le ventre au niveau de l'estomac, la partie haute, c'est pas bon. Vous rentrez le ventre, la partie basse, et vous contractez régulièrement dans la journée, ça a plutôt des avantages. D'ailleurs, ça aide parfois la digestion, ça vient faire bouger, masser un peu les intestins. Et donc, quand on a des troubles du transit, même, ça peut aider un peu. Je pense qu'on l'a toutes et tous fait au moins une fois de rentrer un tout petit peu le ventre. Mais est-ce que vous êtes du genre à le faire par réflexe en continu? Ou est-ce que vous aviez l'habitude de le faire? Et dites-moi surtout si maintenant vous savez comment il faut le faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a amusé autant qu'elle m'a amusé à vous la préparer. J'espère surtout qu'elle vous a appris des petites choses sur le plan médical et sur la vie quotidienne. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'oubliez pas de vous abonner. Un grand merci pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour plein d'autres sujets de santé.